fait, je tourne cette vidéo après le vlog, mais je reviens vous dire que le vlog que vous vous apprêtez à regarder, c'est donc notre journée de mardi, donc de reprise d'école, etc. Et du coup, il n'y aura pas la journée de lundi de disponible, tout simplement parce que le téléchargement était interminable de cette vidéo. Et que, en fait, quand j'ai voulu faire le montage de la journée d'aujourd'hui, j'ai eu besoin de faire de la place dans mon ordinateur parce que je ne pouvais pas exporter mes vidéos. Et du coup, je n'ai absolument pas fait attention, mais j'ai supprimé la vidéo du vlog d'hier. Donc, enfin, de celle de lundi, du coup. Donc, il n'y aura pas le vlog de la journée de lundi, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça fait pas de trou dans la semaine, donc c'est pas bien grave. Voilà, donc place au vlog d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, nous reprenons le cours de notre vie normale. Reprise de l'école ce matin. Motivation des enfants. C'est terrible. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Ils n'ont pas du tout envie d'y aller, c'est terrible. Donc, on va essayer de motiver tout ce petit monde, surtout qu'on ne s'est pas levé super tôt, donc j'espère qu'ils ne vont pas être en retard. Ce matin, du coup, c'est Eric qui les emmène à l'école, puisqu'il est présent à la maison. Moi, ça va me laisser le temps de prendre ma douche tranquillement. Comme il faut que tu arroses ta plante, je la vois en face de moi qui est un peu raplapla, elle qui était si belle. Comme hier. Ouais, j'espère que tu vas réussir à la rattraper. Ouais. Et du coup, lui, il va aller déposer à l'école, puis il va enchaîner avec son rendez-vous. Et moi, en fait, je vais aller prendre ma douche. J'ai une grosse dose là. Et c'est pas grave. Et je vais enchaîner avec le reste du rangement. Que je nettoie mon œil parce que je le vois dans la caméra que j'ai un œil de panda là. Et en fait, voilà, je vais finir l'aménagement. Alors, les meubles sont installés, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de rangement à faire dans les chambres là-haut. Du coup, je vais m'en occuper ce matin. Bon, les amis, je suis lavée. J'ai toujours pas ouvert mes volets, tout simplement parce que quand Eric est parti emmener les enfants à l'école, je me suis dit, ça sonne creux dans ma pièce, c'est terrible, j'entends la résonance de mes paroles. Quand Eric est parti emmener les enfants à l'école, je me suis dit, je vais prendre un bain seul, sans dérangement, puisque Eric devait aussi partir à son rendez-vous. Et du coup, c'était trop beau. Et en plus, j'ai une amie qui m'est très chère qui m'a appelée pendant que j'étais dans le bain. On a super bien discuté. Ça fait du bien, en fait, d'avoir pu parler un petit peu avec elle. C'est vrai qu'on se voit quasiment plus et ça fait toujours un petit peu mal au cœur. Mais comme on dit, chacun sa route, chacun son destin. On ne prend pas toujours les mêmes chemins, mais malgré tout, on arrive à rester amis. Donc, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc voilà, du coup je vais ouvrir mes volets, je vais m'activer un petit peu, je vais regarder ce que je vais faire à manger aux enfants ce midi. J'arrête pas de toucher mes cheveux, hein, mais c'est que j'ai encore fait mes produits Niki et franchement, je kiffe, je surkiffe et je re-surkiffe. Honnêtement, je vous les conseille, hein. Ils sont chers, mais les produits en eux-mêmes, c'est une tuerie. Déjà, j'adore l'odeur. L'odeur du shampoing et du masque. Alors moi, j'utilise la. C'est pas un partenariat, hein. J'en parle vraiment parce que je suis convaincue. J'utilise la gamme à l'huile d'argan parce que moi j'ai les cheveux très abîmés avec les mèches, les colorations et tout ça. Et j'ai acheté en plus le soin sans rinçage, le soin réparateur de cheveux sans rinçage. Donc du coup j'en mets à chaque fois que je fais mon brushing, j'en mets. Et donc là je vais aller en mettre après quand je vais me sécher les cheveux. Mais franchement, alors le soin, j'aime un peu moins l'odeur, mais surtout le mélange des deux, enfin l'odeur du shampoing avec l'odeur du soin par-dessus. Je suis pas hyper fan de l'odeur, mais. C'est pas non plus, enfin ça pue pas non plus, hein, faut pas s'emballer. Mais en tout cas, vraiment, ça me fait des cheveux au top, quoi. Moi qui ai de la paille, et ça se voit, je trouve, des fois, quand je regarde mes vlogs ou même mes stories, je me dis, oh là là, mais ces cheveux, c'est juste pas possible. Et en fait, je vois que de semaine en semaine, ça fait de moins en moins paille, en fait. Donc, non, je suis vraiment très très contente. Et là, ils ont sorti une gamme à la bave d'escargot exprès justement pour réparer les cheveux. Donc, je pense que la prochaine gamme que j'achèterai, ce sera celle-ci. Et franchement, je suis conquise, vraiment. Bon, voilà, c'était ma petite minute publicité. Mais maintenant, il faut que je m'active.
Bon, je vous reprends, il est presque midi. Eric est parti chercher les enfants à l'école et il a aussi préparé à manger. Faut qu'on se sépare pour que j'en arrive à avoir de l'aide, dis donc. Bon, moi je surveille quand même un petit peu la cuisson, je vais faire l'accompagnement. Là, il a cuisiné la viande en fait. Bon, évidemment, je vous reprends, j'ai toujours pas de brushing, j'ai rangé un petit peu. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que ça donne ma pièce à vivre en fait. Parce que quand je vous dis qu'elle est vide, elle est vraiment vide, mais tellement vide qu'on entend mon écho en fait. C'est perturbant. Ouais. Mon petit meuble informatique, au fond il y a le violon d'Elsa avec son chevalet, mon canapé. Mon fauteuil Voltaire que je vais refaire en fait, puisque c'est mon fauteuil d'ordinateur. Donc mon fauteuil de bureau, je veux dire. Donc, mon bureau. Et mon immonde cage de chinchilla. J'aime beaucoup mes chinchillas, mais je déteste leur cage. Donc, peut-être qu'un jour je me lancerai dans la confection d'une cage. Je ne sais pas. En tout cas, cette pièce est vide, mais tellement vide que ça me fait du mal. Donc en fait, le projet, ça serait à la place de ce meuble-là, de mettre un buffet. Et puis, à la place de mon bureau, de mettre un meuble télé. Puisque, en fait, on va récupérer la télé, mais juste la TNT. Mais bon, c'est pas tout de suite, hein, parce qu'il faut acheter. Et pour l'instant, là, avant juin, ça va être compliqué. Hein. Déjà là, au mois de mai, je dois m'acheter un lave-linge. Donc, je vais le payer en 4 fois, évidemment, parce que je ne pourrais pas sortir ça de mon budget comme ça. J'en ai trouvé un pas mal, qui est pas trop cher. Je crois que je l'ai vu à 299 €. Alors c'est un 7 kg parce que je ne veux pas plus de 7 kg. Oui, je sais, j'ai une famille nombreuse et je prends un petit lave-linge, mais j'ai un sèche-linge de 8 kg. Et concrètement, le sèche-linge de 8 kg, enfin le sèche-linge à proprement parler, plus on remplit le tambour, moins le linge sèche. Et comme j'ai pas envie de lancer deux sèche-linges par lessive, je prends une capacité de lessive inférieure. Et comme ça, mon linge est plus sec. Voilà, petite astuce de famille nombreuse. Du coup, je veux une machine de 7 kg, mais je veux un essorage à 1000, allez, on va dire 1200 tours minimum, parce que là, j'ai 1400 en ce moment. Bon, évidemment, c'est celle qu'Eric récupère. Et franchement, c'est trop top. Pour vous dire, les doudous des enfants, quand je les lave, je ne les passe même pas au sèche-linge. Les enfants les reprennent directement à la sortie du lave-linge. Et concrètement, pour eux, c'est comme s'ils étaient secs. Donc, je suis en train de regarder en même temps ce que je l'ai mis dans mon panier, puisque du coup, je l'ai trouvé sur Cdiscount, mon lave-linge. Et je l'ai mis dans mon panier et je vais regarder pour vous dire exactement. Parce que ça vaut franchement le coup. Hein. Je l'ai vraiment trouvé très intéressant pour le prix. Faudrait que je vous montre un petit peu comment c'est fait dans ma buanderie. La fille qui s'enflamme, c'est pas une buanderie, c'est dans un garage. Mais c'est vrai que c'est là que je lave mon linge, du coup j'ai tendance à dire la buanderie, mais non. Dans ce logement, je n'ai pas de buanderie. J'ai juste mon garage qui me permet. Attendez, que je me trompe pas dans mon mot de passe. Du coup, avant j'avais une buanderie, maintenant je n'en ai plus. Du coup, j'ai tendance à toujours dire buanderie, mais ce n'en est pas une, effectivement. Oh, ça me saoule. Taper mon mot de passe à une main, j'ai pas l'habitude. Hop, hop, hop. Et là, verdict, ce n'est toujours pas ça. Bon, j'ai changé mon mot de passe récemment, je ne sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas grave. C'était un lave-linge Electrolux. Donc déjà, c'est une très bonne marque, Electrolux. Eric ayant travaillé dans la vente d'électroménager, il m'a effectivement conseillé cette marque. Donc, mon aspirateur est un Electrolux et je confirme que c'est un excellent produit. J'aurais pu vous le montrer, mais j'ai dû le ranger, en fait. Si vous cherchez un aspirateur de bonne qualité, franchement, je vais vous recommander le mien parce qu'il est vraiment top. Je l'ai payé, je sais plus, 189 €, je crois. Ah mais non, il est dans le sens. Oh là 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 là, la fille. Genre, ma maison, elle est trop grande, je retrouve plus mes biens, quoi. Voilà, il est là. En fait,
j'ai celui-ci. Voilà, donc je vais essayer de vous prendre plus loin. C'est un Electrolux Ultra Silencer Origine Hygiène Filter 12 Parketo Pro. Donc c'est un pro du parquet et du carrelage en fait. Il est ultra silencieux. Alors bon, là il faudrait peut-être que je nettoie un peu mon filtre parce qu'il commence à refaire un peu de bruit. Mais alors quand je vous dis un peu, non, il n'est pas branché, j'allais dire, je vais vous l'allumer, vous allez voir. Mais non, je vais pas vous l'allumer. Du coup, je voulais vous montrer pas ma buanderie, mon garage, hein, comme vous pouvez le constater autour de moi, c'est vraiment un garage. Voilà. J'ai mes machines en fait qui sont l'une sur l'autre et mes paniers qui sont en vrac à côté. Ce que je voudrais faire, déjà, c'est ne plus avoir des paniers aussi grands que ceux-là. Les grands paniers là, c'est beaucoup trop grand, on stocke trop de linge et du coup, c'est ridicule. Moi, je voudrais des paniers, je vais vous montrer ceux que j'ai dans la maison pour gérer mon linge au quotidien, enfin le pliage de linge. Mais du coup, je ne voudrais plus que mes machines à laver soient l'une au-dessus de l'autre. Je vais mettre en fait mon lave-linge ici puisque j'ai le petit, enfin mon sèche-linge pardon, ici puisque j'ai le petit évier à côté qui m'aide à gérer les poussières de sèche-linge et tout ça. Et je mettrai en fait à côté, donc juste à côté, collé en fait au sèche-linge, je mettrai mon lave-linge, donc le nouveau que je vais recevoir en début de mois. Et ici, cette colonne en fait, elle va partir. Donc là-bas, de l'autre côté en fait du petit, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais j'ai un petit lavabo là en fait en dessous que j'ai blindé de bordel. Et en fait, à côté du lavabo, je vais mettre des étagères de rangement. Et du coup, tout ce qu'il y a dans la colonne ici, tout ce qu'il y a dans ce meuble-là que je vais virer, et tout ce qu'il y a dans cette armoire que je vais virer aussi. Alors concrètement, l'armoire, elle est quasiment vide, hein, faut dire ce qu'il y a. J'ai juste rempli la niche et le dessus, mais à l'intérieur, il n'y a presque rien. Mes parents vont la récupérer, en fait, je n'en veux plus. Enfin, elle me prend trop de place, je ne peux pas. C'était une armoire que je voulais en faire, en fait, refaire. Et que finalement, c'est trop de boulot. Même les serrures, elles sont abîmées, donc je vais pas la refaire. Autant mon fauteuil Voltaire, j'ai vraiment envie de le garder parce qu'en plus il est super confortable, donc je vais le refaire et du coup le conserver. Mais non, l'armoire, je ne la garderai pas. Oui, les paniers, je vous ai pas montré. En fait, je vais fonctionner avec des paniers comme ceux-là. Donc là, il y a du linge plié dedans. Et je mettrai en fait au-dessus de la machine et du sèche-linge un plan de travail et je poserai des paniers dessus, donc trois paniers pour trier les couleurs. Et chaque fois qu'un panier sera plein, eh bien c'est parti pour la lessive, on lance un panier, ça fait à peu près un tambour. Donc voilà, ça sera ma nouvelle organisation. Donc du coup, lave-linge, sèche-linge l'un à côté de l'autre avec un plan de travail par-dessus. Donc les plans de travail chez Brico Dépôt, si je peux me permettre, ça coûte 15 euros. Donc n'hésitez pas. Du coup, je vais en racheter un. Alors soit je change celui que j'ai dans ma cuisine, soit j'en achète un autre. Enfin, du coup, c'est celui-là qui irait dans le garage et j'en mettrai un nouveau dans ma cuisine. Soit je rachète le même que celui-là et je mets le même dans le garage. Voilà, du coup au-dessus je poserai mes paniers et je mettrai des étagères sur le mur pour mettre tout ce qui est lessive, etc. Et j'ai aussi en fait mes bouteilles, j'ai des bouteilles en alu en fait pour les pique-niques, l'été, etc. que je stocke dans mon garage. Je vois les enfants arriver donc je vais m'activer un peu. Je les stocke dans mon garage et donc du coup j'aimerais bien les ranger un peu mieux. Donc pour ce faire il me faut des étagères, donc on mettra des étagères au-dessus des machines. Et aussi. Oh, coucou! Coucou maman! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, du riz avec du poulet. Papa, il est en train de cuisiner du poulet, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, tu sens? Donc voilà, bon, je vais vous laisser parce que Eric arrive. Je relirai mon vlog, cette vidéo tout à l'heure pour pouvoir la terminer. Et puis, je vous reprends après. Donc je disais que voilà, dans le garage il y aura donc la machine à laver et le sèche-linge l'un à côté de l'autre. Il y aura un plan de travail sur le dessus, des étagères sur le mur pour pouvoir poser tous les tout ce qui a trait au linge en fait. Et puis sur l'étagère plus haut, ce que j'utilise le moins souvent, c'est-à-dire les thermos, enfin ce genre de choses, les trucs genre typiques pique-nique. Et puis, du coup, de l'autre côté du petit lavabo, je mettrai des étagères spéciales garage en résine. Là, je vois ça partout, pour ranger en fait tout ce que j'ai dans les meubles qui sont actuellement dans mon garage. Et donc, il n'y aura plus aucun meuble dans le garage. Ce ne seront effectivement que des étagères de rangement. Du coup, ça sera beaucoup mieux organisé comme ça, je pense. Voilà.
Je viens d'monter en fait, je viens d'aller à l'étage voir Adam dans sa chambre et en fait je me suis rendu compte que dans la chambre des gars, du coup de Marceau et Adam, c'est de la peinture, c'est pas du papier peint. Du coup je me dis, est-ce que je me ferais pas plaisir à leur faire un petit mur bleu? Je suis très tentée j'avoue, donc il y a du courrier pour moi, merci beaucoup. D'accord, tu regardes. Et donc, Marceau, vous voyez Marceau avec sa petite tête toute abîmée. On a emmené les vélos chez papy et mamie. Et j'ai oublié les casques. Alors, Adam avait le sien accroché sur son vélo, donc coup de bol, du coup, lui, il avait le sien. Et moi, j'avais oublié le casque de Marceau et de Côme. Et du coup, bah, il a fait du vélo sans son casque. Alors, à proprement parler, j'ai jamais peur. Sauf que là, en fait, dans la cour de mes parents, en fait, il y a toute l'allée où on garait nos voitures. Il y a du coup l'entrée du garage qui est sur le côté. Et juste en face, au bout de l'allée, en fait, c'est une montée pour aller au jardin. Et bah, en fait, lui, il n'a pas monté, il a descendu la montée. Sauf que de la draisienne, il n'y a pas de frein. Donc, du coup, il a descendu avec sa draisienne la petite pente qui était pas très longue, mais elle est quand même assez inclinée et du coup il n'a pas réussi à s'arrêter. Alors je vais pas blâmer mon papa hein, parce qu'il pouvait pas se douter que ça allait finir comme ça. C'est vrai que moi c'était samedi après-midi pendant que j'étais en train de dormir et quand je me suis levée, que je l'ai vu revenir, je me suis dit mon Dieu. Donc comme quoi les casques de vélo ça sert. N'hésitez pas voilà, bon bah il est l'heure de déjeuner, donc on s'active et puis on se reprendra certainement en fin d'après-midi puisque cet après-midi je vais chez Eric et je pense pas qu'il m'autorise à filmer son appartement. Donc voilà. Bon c'est bon, je suis prête, les enfants sont partis à l'école, Eric arrive à l'instant, il vient de se garer devant la maison, donc on y va, on va chez lui, on fait son appart et ensuite je récupère les enfants. Bon les amis, finalement je suis rentrée, il est, je sais même pas quelle heure il est 15h26, alors je ne parle pas très fort parce que derrière moi, il y a Marceau qui dort, il s'est endormi dans la voiture, donc bon, je l'ai déposé dans le canapé, j'ai pas été l'emmener dans son lit, je vais le réveiller dans moins d'une heure pour aller à l'école, donc c'est pas la peine. Du coup, ouais, je suis repartie de chez Eric parce qu'en fait, je lui ai proposé d'aller l'aider, mais concrètement je travaillais toute seule pendant que monsieur faisait des recherches sur son téléphone, donc bon, y a eu un moment où ça m'a saoulée et puis je suis partie, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu moyen de sa part, c'est Eric, j'ai l'habitude, donc voilà, donc ben là je suis rentrée, je suis toujours dans l'attente de mon vlog de lundi. Il est à 75% de chargement et il me dit en restant 2h26. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, en fait, le vlog il sera en ligne ce soir. Donc celui d'hier, hein, on parle bien du vlog de lundi, il sera en ligne ce soir et bah. Du coup, ce soir, je ferai le montage. Enfin, là, je vais commencer le montage maintenant du vlog d'aujourd'hui. Et puis, du coup, je le chargerai ce soir pour pouvoir le mettre en ligne demain matin. Donc, bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire ce que j'ai à faire. Là, il me reste une heure avant d'aller chercher les enfants à l'école. Ensuite, j'emmène Elsa et une petite copine à Chemillier pour le solfège. Il faut que je passe chez Super U m'acheter du produit à vaisselle. Je n'ai plus de produits à vaisselle et puis normalement c'est tout, je devrais pouvoir rentrer direct. Donc ça va être encore une soirée de course. Après c'est la maman d'Hortense qui les ramène, donc du coup ça m'évite de courir. Hey les gens, je vous reprends, il est 18h17. Donc évidemment les enfants sont rentrés de l'école, on en est Elsa. Maman, je dois faire des recherches sur ta tablette. Ma tablette, tu la prêtes pas. Non, t'as dit que pour les recherches. Est-ce que. Pour les recherches et tout ça, tu. Je te la prête. Mais toi, tu as 9 ans. Oui. Je peux. Mais Adam, il a 6 ans. Mais il peut regarder avec moi. Il peut regarder avec toi, mais c'est toi qui gères la tablette. Non. C'est quoi déjà le code? C'est quoi déjà le code? Merci beaucoup.
je disais... Maman, attends, où elle est? Dans ma chambre. Il me semble. Ouais, elle est sur ma table de chevet. Donc, je disais... J'ai changé de tenue, oui. J'ai enfilé mon pile-pile. C'est quoi? Parce qu'en fait, je me suis mise en pyjama. Mais comme mon pyjama, c'est un short avec un débardeur, ça caillait un peu. Donc du coup, j'ai enfilé mon pile-pile. Et du coup, j'ai bien chaud. Ah, c'est vrai, il est tout doux, mon pyjama. Ouais. T'aimes bien faire des câlins, mon pyjama tout doux. Ouais. Du coup, ben là, on attend Elsa qui va bientôt rentrer de la musique. Et en fait, tout à l'heure, je n'avais pas du tout pensé, mais... Maman, je vais remettre YouTube Kids ou pas? Ça veut dire quoi? Je vais remettre YouTube Kids. Oui. Merci. Ça veut dire... Mais ça va vous faire des recherches, YouTube Kids. Ouh! Je vais pas regarder de vidéos. La tablette, c'est pour faire des recherches. Si c'est pour passer ta vie sur YouTube, c'est mort. Oui, oui, non, c'est pour une vidéo. Maman, je peux regarder une vidéo. Maman, est-ce qu'on peut regarder une vidéo? Une seule. Merci. Voilà, Marceau s'amuse avec les cordons. Ouais, qu'est-ce que t'as les beaux yeux, toi? J'ai les yeux bleus. T'as les yeux bleus, oui, c'est vrai. Maman, t'as des yeux plus beaux que ceux de maman. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi Elsa n'est pas encore là. Habituellement, à 18h, elle est rentrée. Donc, elle est avec quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne m'inquiète pas. Mais du coup, oui, je disais, ce soir, c'est mardi. Demain, c'est mercredi. Donc, on n'est pas pressé. Il n'y a pas d'école demain. Non. Donc c'est top. Bon, demain matin on emmène quand même les plus grands aux activités, hein, puisque le mercredi c'est la journée des activités. Donc violon pour Elsa, dessin pour Côme. Et l'école pour moi. Mais non, tu vas pas à l'école non plus, demain c'est mercredi. Et moi je vais y aller tout à l'heure. T'as la bouche toute sale, toi. Mais pourquoi? Bah parce que t'as dû manger du chocolat. Bon les amis, j'ai une tête de mort, j'ai l'impression d'avoir le dessous des yeux noirs et pourtant j'ai rien du tout. Il est 20h49, je n'ai toujours pas fait à manger, en fait depuis tout à l'heure on profite avec les enfants. On est affalés dans le canapé, on a regardé des trucs de bras. Bon, cette soirée part en cacahuète. Je vais clôturer ce vlog. Bien. Je suis seule. Mes enfants sont dans leur chambre. Ils se sont mis un dessin animé. Je les ai appelés pour mettre la table. Personne n'est descendu. J'ai appelé une deuxième fois. Personne n'est descendu. Le repas était prêt. Je me suis donc installée dans le canapé et j'ai attendu. Et là, Côme est descendue et je lui dis « C'est à qui de mettre la table ?» Il me répond « C'est à Elsa. » Je dis « Ben, ça serait peut-être bien que tu ailles la chercher. » Il me dit « Oui, je vais la chercher. » Je lui dis « Quoi, qu'elle mette la table ?» Je lui dis « Ben, exactement. » Donc, il est allé la chercher. Elle est descendue mettre la table. Et elle est remontée. Donc là, en gros, tout le monde regarde la télé. Et personne ne laisse en manger. Donc j'ai décidé de manger toute seule. Et quand ils vont descendre, bah, ils auront une belle surprise. Parce que eux qui veulent absolument toujours que je mange avec eux, et bien là, ça ne sera pas le cas. Et puis, pour le coup, ils vont être privés de dessert. Ben oui, je suis comme ça. Je suis une mauvaise mère. Mais il y a un moment où le manque de respect, ça me tape un petit peu sur les nerfs. Donc, il va y avoir encore une discussion qui sera certainement suivie d'une autre discussion.
Je me perds dans mes discussions tellement j'en fais. Mais apparemment, ça sert à rien. Mais si ça sert à rien, et ben, ils vont refaire des lignes. Encore et encore et encore. D'ailleurs, Adam a une série de lignes à faire. Enfin, bien que depuis que je lui ai dit, il n'a pas retapé. Mais ce week-end, il a encore tapé son frère. Donc, je lui avais dit qu'il ferait des lignes. Il a l'air d'être calmé. Donc, pour l'instant, je lui fous la paix. Mais si jamais il retape, il va faire des lignes et pas juste 5. Donc, voilà. Ben, je vais clôturer ce vlog sur ces quelques mots puisque, visiblement, je n'ai plus aucune interaction avec mes enfants. Non, je plaisante, mais... Effectivement, pour l'instant, je suis toute seule, donc je vais monter ce vlog pour pouvoir le charger ce soir. Et puis, demain c'est mercredi, donc journée en famille. Et on va boucler les chambres là-haut parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Enfin, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à liker, commenter, aimer, liker, c'est pareil. À vous abonner, je voulais dire, et à le partager. Si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Le nombre d'abonnés a déjà monté depuis... C'est pas fulgurant non plus, hein, mais c'est plaisant. Quoi qu'il en soit, c'est plaisant. Même un abonné, ça fait plaisir. Même deux abonnés, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Continuez comme ça. Vous êtes au top. Merci beaucoup. Bonne soirée et à demain. Plein de gros bisous.